Yorana et bienvenue à tous. Durant 6 semaines, nous nous retrouverons chaque jeudi soir pour un résumé et la diffusion de l'intégralité du spectacle de danse du Hurata Beirut 2013. Ce soir, je vous propose le résumé de la première soirée du jeudi 28 novembre. Vous découvrirez les prestations de Tamar Ifanatea, Te Hoa Oa, Tereori, Hichireva et Purotu Hauhere. Je m'appelle Toa Katia, je fais partie du groupe Tamar Ifanatea. Ce qui nous a poussé à nous présenter, c'est un renouvellement, découvrir, aller dans la cour des grands plutôt. Ce que je ressens sur scène, la passion, nos ancêtres. J'ai grandi dedans, dans la culture, dans les chants, les danses. Et à chaque fois quand je danse, je pense à mes grands-parents, mes aïeux. Voilà. Nous sommes en tout 10 filles, 10 garçons, 6 musiciens et 3 choristes. Côté connaissance, on se connaît tous, on peut dire qu'on se connaît tous, mais la plupart c'est la famille. Mais nous avons eu beaucoup de soutien d'en dehors, de danseurs professionnels, danseuses professionnelles. Des chanteurs professionnels, musiciens aussi. Pour la préparation, on a mis 3 mois. 3 mois de préparation, dur labeur. Notre thème parle de Kumuhei. Et Rohina, c'est une histoire d'amour entre un demi-dieu et une déesse. Elle a été inventée par notre chef chorégraphe et responsable, Teri Tehiren. Je pense que déjà en elle-même, elle a travaillé parce que c'est... C'est une rêveuse beaucoup, elle rêve beaucoup. Elle adore écrire aussi. Et à force de voir beaucoup de films, de reportages, de Heiva, parce que c'est une danseuse aussi, elle s'est inspirée, elle a voulu écrire sa propre histoire pour enfants. Tu oublies tout sur scène. Tu es obligé d'afficher, de paraître bien. Tu ne peux pas afficher la fatigue, c'est impossible. Ça ne peut que faire du bien d'avoir un peu d'adrénaline et de se montrer, de danser par amour de sa culture. Ah oui. Il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Pousser nos jeunes
à retourner vers notre patrimoine parce que maintenant ils oublient. Ils préfèrent plus tout ce qui est moderne, mais il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est ça le plus important pour moi. Bonjour, je m'appelle Sandrine. Je suis chef de groupe de Te Hoa'oa. Et nous avons choisi comme thème le Fa'amu, qui est le don d'amour en Polynésie, qui existe depuis que la Polynésie existe. C'est un thème très facile parce qu'il est ancré dans les familles. Donc ça a été très facile de discuter avec les gens et de garder le beau côté du Fa'amu. Nous avons pris des personnages fictifs, célestes, où chacun représente la famille qui va donner et la famille qui va recevoir. Donc tout ça dans l'amour, dans l'harmonie, la joie et la gaieté. Alors les danseuses, c'est des copines, c'est les collègues de travail, c'est un groupe d'amis, voilà, on aime passer du temps ensemble, on travaille ensemble pour la plupart et puis pour les autres on se voit beaucoup en dehors. Dans la chorégraphie, on a des gestes qui reviennent beaucoup pour symboliser l'étoile. Voilà. On a beaucoup de gestes qui reviennent au cœur, bien sûr, et qui reviennent au ventre pour symboliser la grossesse. La grossesse et le don. Alors la préparation a pris un mois pour la chorégraphie, on s'était préparé un petit peu avant pour le thème et en fait c'est allé très très vite parce que ben, en demandant aux familles comment ça se passe, voilà, en demandant aux amis, aux collègues de boulot, on a pu avoir beaucoup de réponses à nos questions. C'est un groupe tout jeune, on s'est inscrit spécialement pour le Huaratapeo. Bonsoir, je me présente, Tinirawar Iteina, j'ai 24 ans. Je suis la responsable du groupe Tereori que j'ai créé l'année dernière pour participer au Huaratapeiru en catégorie Mihura. Cette année, on relance l'aventure, toujours en catégorie Mihura, mais avec une nouvelle formation. On a voulu faire un medley cette année. Donc le premier chant parle de la Poroto de Mooria. Et le deuxième, c'est une déclinaison autour de l'arc.
Donc, on arrive au thème de l'hommage à la femme, l'hommage à la nature et l'hommage au ciel par rapport au matari et à tous les arbres fruitiers. Déjà à tous les groupes un bon spectacle. C'est le meilleur moment de tout. C'est le meilleur moment après une longue préparation. Je souhaite à tous les groupes un bon spectacle. Éclatez-vous, vivez votre culture et pour l'amour du Oritex. Bonsoir, je m'appelle Touar Itaki et je suis danseur dans Hitileva. Cette année, Hitileva a choisi le thème de Tetumu et Temamo, l'arbre et la lignée. On a utilisé l'image de l'arbre pour exprimer l'idée de la lignée, de la descendance. Wariro tetama etatapari. Wariro tetama emitua. Tubuatura tetumu teama inye tetumu. Tubuatura terau inye teama. Wateni teama inye tetumu. Warau terau inye teama. Poe aratumu. Watubu teama. Nous sommes tout à fait conscients que de toute manière, le concept d'arbre généalogique n'est pas un concept polynésien. Nous avons fait de notre mieux pour essayer de rendre cette image de lignée au travers d'un arbre sans dire que c'est l'arbre généalogique. Ça aurait été bien trop facile. Il y a un lien très fort entre toutes ces histoires de lignées, de famille et de terre. Pas forcément l'arbre, mais la terre, quoi, hein, où on trouve nos racines. Donc le pouffé noir, exactement. Emetu atemetu. Ea aoe. Etu puna o. Afar imete tapau. Afar imete ite. Donc j'ai écrit le thème pour Hitileva. Le plus difficile, ça a été vraiment de retranscrire en tahitien tout en étant en essayant de rester le plus fidèle possible aux idées de la celle qui a pensé au thème. Enfin, donc Keholani. Ça a dû me prendre quand même plusieurs semaines de toute manière parce qu'il a fallu que j'écrive plusieurs textes pour les OTA et pour les Apalima. Et puis voilà, il a fallu qu'on se concerte tous les deux, donc Keho et moi, pour que je comprenne vraiment ce qu'elle voulait dire.
viens juste de sortir de l'université où j'ai obtenu ma licence de Rio Tahiti. Donc c'est encore tout frais dans ma tête. Donc j'ai vraiment puisé dans tout ce que j'ai appris. Il y a certains auteurs qui sont vraiment qui sont les modèles que j'ai voulu suivre, que j'ai tenté du mieux que j'ai pu d'imiter quoi. Donc il y a Henri Gillot parmi eux, c'est sûr quoi. J'ai essayé d'écrire à la manière de Henri Gillot, comme j'ai pu, voilà, par exemple. Parce que il faut savoir tenir donc tout l'effectif de 30 personnes, mais ça a été relativement facile dans le sens où il y avait vraiment une bonne ambiance entre nous et une bonne cohésion. Voilà, tout le monde a bien compris le thème et puis tout le monde était motivé. Voilà. Je m'appelle Claudia Joussin, je suis la présidente du groupe Purotu Hauhiri. Ma troisième participation au Hurata Pairu. Les choses ont été, assez faciles, mais après, il y a surtout la gestion du groupe qui a été un peu plus compliquée, avec des départs, des arrivées sans cesse. Donc il faut pouvoir gérer tout ça tout de suite, en fait, il faut être au taquet. On essaye de profiter un maximum quand on est sur scène, on se lâche complètement, il faut vivre à fond, surtout toutes ces semaines de répétition que l'on a eues ensemble. Nous nous sommes entraînés pendant 2 mois, on va dire. Pour cette année, j'ai trouvé assez facilement des danseuses. En 2011, on a gagné le 3e prix du Hula. Ça met toujours un peu de pression parce que ça reste un concours. Hein. Pousse à se représenter, c'est surtout cette passion pour la danse, cette scène que j'apprécie beaucoup. Le public est assez proche et j'aime ça, on va dire. J'ai découvert la danse par ma mère, en fait, qui m'a poussée à aller au conservatoire quand j'avais l'âge de 10 ans. Toutes mes danseuses ne sont pas issues du conservatoire. Il y en a quelques-unes. D'autres, ce sont des débutantes, on va dire, qui avaient envie de partager l'expérience avec nous. Thank you.
ce soir, j'aimerais bien que tout se passe bien sur scène. J'espère que cette première soirée vous a plu, car ce n'est pas fini. À partir de 21h15, vous retrouverez l'intégralité du spectacle. Excellente soirée, à la semaine prochaine. Nana.